3% des hommes peuvent avoir le cancer du sein. Ça se peut pas que je fasse partie des 3% qui ont le cancer du sein en plus, là. Je fais déjà partie du 8% qui ont été TDAH, du 13% qui font du cholestérol, puis du 25% qui sont pas capables de sparker en parallèle à Montréal. Fait que, Philippe Laprise, à la salle Albert-Rousseau.